Que va devenir Sandra Laurent-Houtan? Une juge argentine étudie le sort de cette femelle de 29 ans du zoo de Buenos Aires, qu'un tribunal a reconnu personne non humaine, une première mondiale. Mais Sandra peut-elle survivre dans son milieu naturel après avoir passé toute sa vie en captivité? Les spécialistes s'interrogent.